Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 28 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Avant toute chose, retour sur l'événement de la veille qui avait lieu ce vendredi du côté de Paris-Vincennes. Alcide Rock, le numéro 15 et notre show préféré, comme prévu, l'emporte à 6 euros tout de même. La minute quintée donne le tercé or de 330 euros et 40 centimes, ainsi que le quartet des ors de 144 euros et 17 centimes, le tout en 6 chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, mettons en avant les trois premiers du classement du jour. Jamaria, Patatric et JMB Blani donnent tous les trois le quartet des ordres ainsi que les bonnes bases et composent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois. Allez, accordons maintenant de l'importance au tiercé quartet quintet plus du dimanche 28 juin 2020. Le prix de la Fouilleuse, quatrième course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 15h15, mettra à l'honneur des galopeurs âgés de 3 ans seulement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sur le parcours des 1600 mètres, ils seront 16 galopeurs à tenter de décrocher le succès. Avec une allocation totale de 44 000 euros, nul doute que la bataille sera terrible d'un bout à l'autre du parcours. Dream Memory, le numéro 7, n'a pas un papier de folie mais a largement les moyens de mettre tout le monde à la raison. Présenté par Jean-Philippe Dubois et monté par l'habile Pierre-Charles Boudot, c'est la grosse chaleur dans l'entourage. My Charming Prince, le numéro 5, piloté par Maxime Guyon et entraîné par un certain Frédéric Rossi, qui est dans une forme étincelante, n'a qu'à répéter sa dernière tentative pour jouer les premiers rôles ici. The Champ, le numéro 11, dont le finish est impressionnant, peut venir mettre tout le monde à la raison si le parcours lui est sur mesure. Lord Wellington, le numéro 3, que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup pour son courage, visera une place dans les 5 premiers ici. Miss Believe, le numéro 12, bourré de qualité, a les moyens de mettre tout le monde au pas si elle dispose d'un parcours à la perfection dans le lot du jour. Revolver Ice, le numéro 13, d'une belle régularité dans l'ensemble, aura également de nombreux partisans. En cas de non partant, Wheel of Chance, le numéro 15, bien placé au poids en bas de tableau, aura également des fans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli quintet plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.